Ntabwo navuga ko nyumva buri gihe ariko ndayikunda iyo mbashije kuyumva ndayumva kenshi kintu nyikundira n'ubuzima muri rusange kuko wenda urabona hari nk'ibyo umuntu adapfa kuvuga cyangwa se akaba afite nk'igikomere muri we ako ntabe yakivuga akazajya yicije ako nk'iyo yumvise Yuliana niba ari Yuliana ari kurira yagize nk'ikibazo byatumaga wenda nawe yumva ko ari mugenzi we bahuje ikibazo buhoro buhoro akagenda bohoka akagenda agerageza kugenda yisanzura ku bandi Nini nitwa Uwamahoro Grace. Wanavuje nturutse Kicukiro. Kamana Janvier. Haba nika ibintu bya kutire. Grace ni inshuti yanjye cyane. Turakomeza turakundana nk'abana twareranwe bigera ubwo dukunda kumva museke ya nkajya mumubwira museke yagira impanuro. Ubwo museke yari ikintu itwubakamo muri make. Ya haraho yigende dukura hari nayo dushyira ariko bitewe n'ukuntu twumvishe museke weye byaduhaye gukomeza kugira urukundo mudasuzugura muri make twaba abari b'u Rwanda ugende nko ikintu mbona nahindutseho cyane bigende ku mateka yagiye aranga igihugu naje kuba umubyeyi ndi muto noneho bakambwira abantu babaramugiriye nabi mbere sinabashaga kubyakira aho twahuraga numvaga nababwiraga nabi ngende hamwe no gukizwa wenda mbere sinari nkijijwe nyuma naje gukizwa Imana ikajya inganiriza ikambwira amagambo anyuba ku mutima noneho bikubitira nuko wenda numva museke weya nkumva bagiye bagira nabi nkumva barutaganira se byampaye kuba nahindukira okay ikiza nuko namukunda tukuba ku Rwanda ntiruzongere gusubira aho rwavuye kandi ndabingiza nujye mumenyereza kuganira n'abandi ngo uje ibibazo mutegana amatwi Nukuri bizatuma musobanukirwa neza ibibazo mufite kandi bibagabanyiriza inkunga L'Église catholique a prêché la parole de Dieu. Malgré ça, les gens ont commis ces forfaits qu'ils ont effectivement commis pendant le génocide. Peut-être que la parole de Dieu était, si les bouches n'avaient pas entré dans les cœurs pour changer les cœurs. Et puis, il est venu à réveil, effectivement, beaucoup d'églises pentecôtes. Ouais, l'Église est effectivement très importante dans ce domaine de réconciliation parce que si il prêche la parole de Dieu qui dit de renoncer au péché, les péchés renoncent à les péchés, ils se repentent. Ils demandent pardon à ceux qui ont commis des péchés. Ils prêchent aussi d'accepter, de pardonner. C'est pourquoi les gens qui ont commis les forfaits du génocide ont été réintégrés dans la société. Voilà, grâce à la parole de Dieu, les pécheurs se repentent, demandent pardon à ceux qui ont fait du mal. Puis on se réconcilie. Yeah.
des prédications touchent les consciences et les gens sentent que pour avancer, il faut régler le conflit. Suite à un témoignage avec regret de l'auteur, le rescapé présent est touché et il se lève pour déclarer son pardon. On a des cas. La vraie réconciliation existe, mais c'est vraiment très limité. Là, tu comprendras, les gens disaient, nous demandons pardon parce que l'État nous l'a demandé. Si tu peux bien, mais tu veux bien, tu peux me pardonner. Mais l'État m'a déjà pardonné. Donc, ce n'est pas un pardon même qui venait du cœur, du regret, mais c'est parce qu'il fallait bénéficier des avantages de la loi. Et comment vous me dites que vraiment peuvent sortir des lumières de réconciliation? La réconciliation, c'est l'ouverture du cœur à l'autre. Comment on peut vraiment parler de réconciliation si même pour les gens qui sont sur la rue, on les suspecte, je les soupçonne d'adversaires. On se dit non, il faut une mise en garde. On a une mise en garde contre qui que ce soit et tu vas me parler de réconciliation.